Coucou, je vous fais un petit haul de rentrée, un haul try-on, c'est-à-dire que je vais essayer quelques pièces que j'ai trouvées pour cette rentrée, le but étant de vous proposer, de vous présenter des pièces déjà que vous allez pouvoir retrouver et surtout qui vont pas être très très chères. Je commence déjà par cette robe. Vu comme ça, j'ai vraiment hésité parce que j'avais du mal à me projeter quand j'ai vu cette robe. Et une fois que je l'ai essayée, elle est tellement jolie. On est encore sur un motif floral. J'ai voulu l'accessoiriser avec 3 colliers. Donc c'est pas à chaque fois le même collier. Je trouve que ça rend très très bien. C'est une robe que j'ai achetée chez Gémeaux. Je l'ai prise en taille S. Elle a une ceinture pour venir cintrer parce que j'ai peut-être un gros fessier, mais j'ai quand même la taille fine. Donc ça c'est plutôt bien. J'ai voulu mettre avec des bottes, je trouve que ça rend tellement bien, tellement mieux qu'avec des baskets. Ça élance en plus la silhouette, hein. Même si c'est pas des talons de fou qui font 20 cm, c'est toujours mieux. Elle est hyper agréable. En général, je suis pas très fan des manches 3/4, donc quand t'as ça comme ça de libre, mais bon, ça va, ça passe, limite peut-être essayer de la remonter pour que ce soit mieux. Elle fait une jolie ligne, avec un sac à main, c'est plutôt pas mal aussi. Et puis, quand il fait un petit peu froid pour sortir, on met la veste en jean. Le perfecto, ça peut être très sympa également. Et c'est une robe qui m'a coûté, au lieu de 29,99, 19,99. Donc, on est bon là, on est quand même très très bien. Je l'aime énormément. Voilà pour ce premier modèle. Putain, faut que j'arrête, je regarde ici et pas ici. Je passe un peu d'une boutique à l'autre. Là, j'ai été chez Kiabi. Alors, Kiabi, on est toujours sur des petits prix. Kiabi, la mode petit prix. Je suis très t-shirt motif et chez eux, ils en font beaucoup. J'ai craqué sur ce modèle vert. Le vert, ça va quand même finalement à beaucoup de personnes. J'avais un doute. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un haul de rentrée, les manches courtes. Tu peux le porter manches courtes si tu as envie, évidemment. Mais moi, je vais le mettre avec un gilet long. Je trouve ça super sympa. Tu rajoutes le petit slim qui va bien. Et ça donne un, je sais pas comment dire, une touche. Moderne déjà, un petit peu plus jeune, et ça donne du peps, voilà, à une tenue, je trouve, des messages comme ça, d'autant plus quand le message est blanc. Je l'ai pris en taille M parce qu'il n'y avait pas taille S, et en fait j'ai bien fait, parce que finalement taille S, souvent c'est un petit peu au niveau de la poitrine, ça sert, donc c'est pas très pratique. On retourne eh bien, au t-shirt. Toujours de chez Kiabi, celui-ci en taille S. Et finalement, j'aurais dû le prendre en M parce qu'il est un peu juste, ça passe. Mais bon, donc il est gris. Moi, j'aime bien aussi porter du gris, c'est plutôt joli. Quand tu es blonde en plus, ready to rock. 4 euros également. Très, très, très facile à accessoiriser. Enfin, quand je dis accessoiriser, à accompagner plutôt. Avec différentes petites vestes plus ou moins longues. Avec du gilet, avec tout un tas de choses. Ah, j'avais pas vu. Le S correspond à 16 ans. Bah, c'est ça, on est là, on y est, hein, 16 ans. Il s'agit d'un gilet qui vient cette fois-ci de chez Gémeaux. Un petit peu plus cher, il est à 24,99 €. J'ai du mal à définir au début la couleur, je crois que c'est un bleu marine. Il a ce côté qui tombe sous les fesses, donc très bien pour ma problématique. Soit on le laisse comme ça avec ce genre de t-shirt, je trouve ça sympa de le laisser droit, tombant. Ou bien on vient le cintrer à la taille, si on a la taille fine, ça rend très bien. Comme ça, ça met quand même un petit peu les hanches en avant, ce qui est plutôt joli. Tu peux porter avec un petit slim, des tennis. Enfin, il y a pas mal de possibilités et surtout, bah voilà, c'est un gilet, tu le portes très facilement. Donc je me suis dit, ouais, il coûte 24,99 €, mais je suis persuadée que je vais le mettre. Et je vais le mettre assez souvent. Ensuite, on passe à Nastigal. C'est un petit peu comme un chemisier chauve-souris, j'appelle comme ça parce que vous voyez les manches sont assez amples. On est toujours sur un modèle floral, je crois que c'est vraiment la tendance cette année. Petit col, soit on le porte en le fermant complètement, on met les colliers, ça fait très sympa. Et pareil, alors ça avec un slim, oh, qu'est-ce que c'est joli. Idéalement, tu mets des escarpins, waouh. Et c'est une, je crois que je l'ai dit, taille 36, de plus près les manches. Pour aller avec toutes ces petites choses, comme je vous ai montré, c'est le fameux jean qui est chez Jennifer. Ça passe, Jennifer, c'est une enseigne qui n'est pas chère.
on a, j'aime bien, les quatre boutons comme ceci qui font, je trouve que ça taille bien, du coup ça fait un ventre bien plein avec mes petits escarpins rouges ouverts, évidemment là on va se calmer un peu, ça commence à cailler. Cuissardes, bottes, boots, baskets. Je l'ai pris en taille 36 et c'est un stretch. Vous allez faire une overdose, je suis désolée ceux qui n'aiment pas les motifs floraux, mais moi je suis pas du tout motif floral à la base, je vous assure. Et là, j'aime bien. Après, c'est les coupes qui font que j'adore, c'est sûr. Parce qu'on a toujours dit oui, les motifs floraux, ça fait un peu vieux, c'est ringard. Bah, ça dépend comment est coupé, hein, comment c'est le modèle. Pareil, on est toujours sur des jolies manches. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré en vlog, je l'ai eu, ça fait partie d'un de mes petits cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. Je trouve que ça s'y prêtait. Ce que j'aime beaucoup, donc forcément, c'est cette manche qui est ample, comme ceci. Et surtout, le fait que ce soit bien recintré, resserré comme ça, à la taille, ça fait également tout le charme de ce modèle. Voilà, c'est tout pour ce haul petit prix pour la rentrée. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si jamais ça vous plaît, bah, faites-le moi savoir en mettant le petit pouce en l'air, en me mettant des petits commentaires. Je pense vous retrouver demain pour un vlog. Ceux qui ne savent pas, je fais du daily vlog, donc quasiment au quotidien. Je vous embrasse et je vous dis très certainement à demain. Salut, merci de nous regarder jusqu'au bout.